Salut, salut à toutes et à tous, je suis le Master Kib. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur The Witcher 3. Et on reprend là où on s'était arrêté sur ce magnifique bateau vos armes. Qui a été irradié de la marine. Merci, j'ai jamais vu. Merci. C'est une bonne lame, non? Ce n'est pas la lame qui compte, c'est la main qui la tient. Ouais, elle va te couper la tête en 2 secondes, tu vas voir. Tu vas regretter de m'avoir causé comme ça. De m'avoir traité d'amateur. Bon, allez. Nous, on a des quêtes qui nous attendent. Surtout celle-ci. Pardonnez-moi. Vous êtes Gérald de Dorian. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est moi. Oui, que voulez-vous? J'ai un message. Une seconde. De la part de qui? Lisez, vous verrez. Oh merde, il faut lire. Il faut lire. Alors, conseil pour mes collègues. N'acceptez jamais de réparer un phylactère. Sauf si bien sûr vous aimez les nuits blanches. Ne vous faites pas avoir par l'apparence. Nous devons parler. Ça doit venir de Triss. Ok. Forcément. D'accord. Je devrais la retrouver. Bon, bah, il faut y aller. Quand faut y aller, il faut y aller. Maintenant ou jamais, il faut trouver. Retrouver Triss. C'est parti. Donc on y va. Sinon, on avait d'autres quêtes intéressantes. Hein. L'ennemi! Parler aux chasseurs de sorcières. Ok. C'est où cette quête? Oh, c'est pas loin. On devrait faire ça d'abord avant d'aller aider Triss. Alors, un armurier. Allons voir ce mec. Bonjour. Salutations. Vous semblez passablement. Oh, ça! Une commande d'armure redanienne. Une tâche répétitive, encore et encore. Un boulot alimentaire, sans intérêt aucun. Vous souhaitez peaufiner votre art? Bien sûr. Forger, c'est comme besogner une donzelle. À la hussarde, on arrive assez fin, mais sans que la belle grimpe autant. Je ne savais pas que c'était pareil. Alors, vous avez une commande spéciale qui me permet de rester en forme. On parle toujours d'armure, n'est-ce pas? De quoi d'autre? Ouais, si on se faisait plutôt une partie de cartes, plutôt. Le Gwent, par exemple. Oh, beau tirage. Beau tirage, je prends. Allez, on va piocher d'abord. Voilà. Tu veux gagner des points, sois content. Voilà. J'aimerais bien avoir cette carte qui prend 0 et qui fait piocher. Ça peut être stylé quand même. Du coup, on a gagné. On l'a eu. Et on l'a eu. Ah merde. Aïe, aïe, aïe. Caramba. Encore raté. Bon, du coup, on a quand même 21 points. Il a 4 cartes de plus à
Attention, il a 4 cartes de plus, ça peut être chaud. Ah ouais, carrément, ça rigole pas. Ah, il casse ses couilles. Voilà, normalement, il peut que perdre. 44 à 15. Ah non, 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 pas ça. Non, mes cartes. Mes cartes. Pourquoi tu fais ça? C'est pas gentil. C'est pas gentil du tout. Oh là là, il est repassé devant. Enfoiré. Bon, 37 à 33. Oh merde. Je savais qu'il fallait que je le garde. En tout cas, s'il faut compter sur la supériorité du nombre de cartes, ça sert à rien. Parce qu'on en a pas, justement. Oh, carrément, il nous sort... Il nous sort un elfe... Un elfe de folie. Il nous sort Yorvet, le chef des Skoyatel, dans la région du... de Vergen. Enfin, pas de... Non, de Flotsam. Le beau temps est revenu. 58-53. Faut s'accrocher, les gars. Oh non, en plus j'ai pas une, un truc pour enlever tous les avantages des magiciens là. Et j'ai que 2 cartes, il y en a 4, à mon avis c'est mort. À mon avis c'est mort, puisqu'il y aura que trop peu d'écart. On peut toujours tenter, mais bon, je pense que c'est mort. On va laisser. De toute façon il a gagné, et de la manche suivante aussi. Hein. Merci d'avoir participé. Ah, puis il nous sort ça, quoi. C'est la carte qui tue tout de suite. J'ai que 5 points. Je peux avoir un bonus, s'il vous plaît. Ah non. Pas lui encore. Mais what the fuck? Quoi ce deck? Il avait quand même 15 points. Hein. 15 points arabes, ça fait pas mal. Hein. Il aurait gagné quoi qu'il arrive. Bon, bah on se revoit dans un monde parallèle. Je vais slider, je reviens tout de suite. Épuisé et blessé, Ciri s'effondra au beau milieu du marais. Des paysans la découvrirent et la conduisirent au baron, seigneur autoproclamé de Velen. Il recueillit la jeune femme, veilla à son rétablissement, puis la laissa partir pour Novigrad. Lol. Salutations! Vous êtes un sorceleur! Mon petit doigt me dit qu'un travail intéressant se présente. Vous semblez passablement occupé, déjà. Oh, ça! Une commande d'armure rédanienne. Une tâche répétitive, encore et encore. Un boulot alimentaire, sans intérêt aucun. Vous souhaitez peaufiner votre art? Bien sûr. Forger, c'est comme besogner une donzelle. À la hussarde, on arrive à ses fins, mais... sans que la belle grimpe aux tentures. Alors, ouais. Vous avez une commande spéciale qui me permette de rester en forme? On parle toujours d'armure. Je sais pas si se taper des enclumes, c'est forcément, c'est forcément le pied, quoi. Se taper des enclumes, c'est pas forcément le pied, quoi. Jouons aux cartes, plutôt. Le Gwent, par exemple. Bah vas-y, envoie. Fais péter le paquet. Ouh. Ciri, tu me fais plaisir. Oh, oh, oh. On n'a pas forcément de tirage de cartes supplémentaires, mais... Carrément, il essaie de nous appâter avec une carte où une elfe montre ses libards. Bon, pourquoi pas.
pourquoi pas. Et votre adversaire a passé et... Ouais... Généralement, ça n'annonce rien de bon. Donc, on a gagné. Tranquille, pépère. Il a 9 cartes, on en a 7. On est encore dans un... Dans une position défavorable, mais on va pouvoir en récupérer une, donc ça fera 9-9 en fait. On va récupérer celle qui a le plus de points. Voilà. Normalement, on a 25 points avec 2 cartes. Même s'il nous met ses nains qui lui rapportent 9 points au total, on va le défoncer. Il va nous sortir son archer puissance 15. Et en plus celui-là qui rajoute 15 points. Hop, on remet un petit choix pour le laisser jouer. Il nous met le beau temps. Et oui, le beau temps revient. Le beau temps revient. Il n'est pas très doué, hein. Mais par contre, il tient bien le score. Et là, il va comprendre sa douleur quand je vais doubler tous mes points. Voilà, 52 à 41. Il va m'enlever une petite carte, forcément. 40. Là, je remets 10 points. 50. Il n'y a plus de cartes. Ou 10 points encore. 51 à 50, c'est serré. C'est tant d'axes, hein. C'est tant d'axes. On redouble les points ici, histoire d'être un peu plus tranquille. Hein, 4 points d'avance. Ouh, c'est une carte 0 qui avait rappelé certainement une autre carte, voilà. Direct, 59-55. Il pense avoir gagné. Et là, je sors ma carte puissance 10. Et je le bats. Et voilà, il a tout compris. Ouais, il me donne de l'argent. C'est bien. Et il me donne Philippa et l'art. Sympa. Sympa, sympa, sympa. Donc on va la mettre tout de suite dans le jeu, histoire d'avoir une carte légendaire. On va enlever une sorcière du coup. Hop, au revoir. Merci d'être passé. À la prochaine. On repart. Bien sûr. Oh, bonjour. Alors. Peut-être. Je ne sais pas. J'aimerais surtout avoir de nouveaux équipements. Vous êtes en veine, j'ai un travail spécial pour vous. Formidable. Bah j'espère. Vous n'allez pas être déçu, croyez-moi. J'espère. Il est niveau compagnon. Ok, ça ne nous arrange pas trop. J'aimerais faire les bottes du griffon améliorées. Ce serait stylé. Est-ce qu'il peut les faire? Le schéma de l'école du griffon pendant la nouvelle tenue. Ah non, il manque les plumes plutôt. J'ai cru qu'il manquait les. Il manquait. Pas grand chose en fait. Mais il a rien lui, ça me saoule. Il a rien du tout. Ah si, il a les plumes, c'est bon. C'est bon, il a les plumes. On les prend direct, hein. On va pas aller chercher des harpies. Ça sert à rien, on a l'argent pour. Évitons d'avoir besoin d'en perdre. Il nous manque quoi? Il nous manque une plume. Ah la carotte, faut qu'on ait tué des harpies. Et ça c'est une armure, la cuirasse. Ça peut être sympa, mais j'aime bien les équipements de sorceleurs. Ils ont la classe et en plus ils sont puissants. Donc comment on récupère cette plaque d'argent? L'armure redoidienne de la mocheté, de la laideur. Il manque une plume, ça me saoule. Est-ce que j'ai pas des plumes? Ah là, regardez, plumes. Est-ce qu'on peut pas les utiliser? Non, démonter.
Qu'est-ce qui nous donne des plumes? Alors, je descends, voilà. Les plumes sont là. Ah non, ça donne des cendres. Ah, la loose. C'est pas les bonnes plumes. Il y a plusieurs plumes différentes. On s'est fait carotte. En espérant que le fait de les avoir démontées ne les a pas fait disparaître. Alors, est-ce que c'est bon? Monsieur le champion. On peut commencer à s'équiper low cost. Alors j'ai les plumes, du coup c'est bon. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à avoir une plaque. Ok, il faut faire la plaque. Comment on fait cette plaque? Alors est-ce qu'il faut que je démonte quelque chose ou pas? Alors où sont les... On fait où les plaques, s'il vous plaît? Les plaques. Descend. Ah. C'est plaque 2. Voilà, c'est bon. Ouh, sauvé! On avait juste ce qu'il fallait. Normalement, c'est bon, on va pouvoir faire de la tenue. Ça va être stylé. Faut se préparer pour les combats, de toute façon. Il y en aura peut-être. Surtout si on doit sauver... si on doit sauver Triss. Elle est stylée, cette hache. Mais je peux pas l'utiliser encore. C'est dommage. Oui, non. J'ai failli faire une connerie. Bon, maintenant on fait l'armure, du coup. Où c'est déjà? Oh, on peut faire ça. On en a beaucoup. Genre, pas beaucoup maintenant. Genre plus du tout maintenant, mais ça passe. Ça peut être pratique, alors voyons ça plutôt. Alors, armure de griffon améliorée. Et voilà. Prestige, plus 4. Hein. Je déconne, c'est marqué nulle part. Du coup, le pantalon, les gants, on peut pas les faire, je crois. Ah. Il manque des ingrédients de monstre. Le pantalon peut le faire, je crois. Griffon amélioré, il manque quoi? Il manque rien, c'est bon, on peut le faire. C'est stylé. On peut même faire le pantalon du chat amélioré. Et ça rajoute quoi en fait? Du coup, il nous manque quoi là? Du cuir, j'imagine. Là, on peut pas le faire, je crois. Si, on peut le faire. Le pantalon, ça c'est bon, on peut pas les faire pour l'instant. Il manque quoi? Il manque du cuir. Alors allons faire du cuir. Où est-ce que c'est? Ah ah! Voilà, on peut faire un max. Ça devrait suffire normalement pour faire les bottes. Griffon amélioré, voilà. Hop, on fait ça. Allez, chauffe Marcel, chauffe. Ok, c'est bon. On a les bottes. On a l'armure. Adieu. On va voir ce que ça donne comme style déjà. Surtout qu'on a plus de pantalon. Ah, je peux pas le mettre en plus. Ah, la carotte. Ouh, du griffon amélioré. Prestige.
Ouh, elle est stylée. Avec les pics. On remet le pantalon du griffon. Rebonjour. Voilà, vas-y, envoie. Vous êtes en veine, j'ai un travail spécial. Formidable. Allez. Alors, le pantalon. Qu'est-ce qui nous manque pour le pantalon? Du cuir. Bon. C'est vite fait, ça. On remonte au niveau des schémas. Ça, c'est con que les gants, les bottes, tout ça, c'est en haut. C'est un peu le bordel, je trouve. Cette interface, elle est un peu moisie. Elle est carrément moisie. Hein. Ce menu déroulant, on comprend rien. Ils auraient dû faire une classification, pantalon, armure, etc. Ça aurait été plus rapide. Il m'en faut un petit peu, s'il vous plaît. Peut-être pas. Ouais, allez hop, on fait les 9 quand même. C'est pas grave. Ta-da-da-da. Hop, ça c'est fait, on a le pantalon. Adieu. J'aime bien les gants comme ça en mitaine. C'est stylé. Mon pantalon. Ah bah il est déjà mis, ok. Alors un gant du chat, etc. Je vais les enlever aussi. Voilà, gant du griffon. Hop. Et on peut y aller. Faudrait qu'on termine les quêtes du griffon aussi. On peut le faire, on a le level. Il suffit de trouver où c'est. Alors, est-ce que c'est au milieu de la planète Ah, c'est tout au fond là, du monde. C'est saoulant. Ça, on n'a toujours pas fait. On fera plus tard. Où est-ce que c'est? Ah, c'est au fin fond du cosmos, quoi. Du coup, on va pas faire ça tout de suite. On fera que si, finalement, on est dans le secteur. Et maintenant ou jamais, retrouver Triss. C'est parti. Bon, on laisse tomber la quête de la sorcière hein, pour l'instant. Quoique, peut-être qu'on la fera avant, mais je ne sais pas. Non, on va plutôt faire celle-là. Elle est assez urgente en plus, c'est un événement un peu spécial.